Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous tenez le coup malgré les difficultés. Voilà, donc c'est un petit direct vite fait parce que c'est pas évident de trouver le temps, hein, mais bon, le plus important c'est d'en trouver quand on peut. Voilà, donc c'est ce que je fais. Quand j'ai un peu de temps, je viens, je motive un peu les troupes et après on essaye de voir comment les gens peuvent continuer à avoir le message. Donc merci de partager le message quoi. Donc c'est un peu ça parce que notre continent a besoin d'entrepreneurs. Et il faut clairement qu'on entreprenne parce que si on n'entreprend pas, on est tous morts en fait. On est tous morts. Donc c'est cela en fait. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Parce que le pays en a besoin, le continent en a besoin. Donc il faut entreprendre. Voilà quoi. Il faut entreprendre et voilà quoi. Il faut entreprendre parce que y a tellement, voilà, comme je disais, trop de diplômés sans fonction, alors entreprenons en fait. C'est cela, il faut entreprendre. Et c'est juste dommage de voir combien de fois nous les Africains, on est encore au niveau là où le diplôme est la seule voie par laquelle on puisse avoir une valeur en fait. C'est-à-dire, si on n'est pas diplômé en fait, on n'a pas de valeur en fait, nous les Africains en principe, c'est ça. Et il faut que ça change. Donc, d'où le fait que j'ai intitulé le titre de ce message en fait, trop de diplômés sans fonction, alors entreprenons. Alors, donc, je vais aller parce que je cours à travers le temps. Voilà. Voilà, je vais d'abord raconter une petite anecdote. L'anecdote, en fait, c'est une fois, je discutais avec un frère africain et on parlait un peu de notre parcours ici aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que, en discutant de nos différentes expériences ici aux États-Unis, le frangin m'a dit ceci, m'a dit, tu sais, Warren, je suis arrivé à un niveau là où j'ai tellement envie d'avoir mes diplômes que du coup, même si je ne retire rien, il avait dit quoi? Il avait dit quelque chose comme du genre, je me souviens plus totalement, mais c'est-à-dire, il est arrivé à un niveau là où il s'était dit, pour moi, en fait, avoir mes diplômes et de rentrer chez moi, c'est le plus important, en fait, que même si je finis pauvre, mais si j'ai mes diplômes, c'est ça pour moi le plus important, en fait. Et du coup, quand il avait dit ça, je suis resté quand même un peu surpris en fait. C'est-à-dire, quand il m'a dit ça, c'était vraiment le fond de sa pensée. C'est-à-dire, pour lui, il faut qu'il ait ses diplômes en fait. Peu importe les difficultés, mais il faut qu'il ait ses diplômes. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais toujours est-il que il faut regarder en fonction des réalités du moment en fait. Il faut regarder en fonction du moment. Le truc, c'est que c'est bien beau de chercher à avoir ses diplômes. Ça, c'est noble de vouloir avoir des diplômes. Ça, il faut se le dire. Mais le plus important, c'est que si tes diplômes ne te permettent pas de te prendre en charge, si tes diplômes ne te permettent pas de atteindre une certaine liberté financière, ça veut donc dire que clairement, ça veut dire qu'il y a d'autres moyens en fait. Et que la voie par laquelle on nous a toujours dit qu'il faut toujours suivre, peut-être que cette voie-là commence à montrer ses limites en fait. Et conscient du fait que cette voie-là commence à montrer ses limites, ça veut donc dire que clairement, il faut commencer à chercher certaines voies. C'est la raison pour laquelle je vous invite, toi qui vas regarder cette vidéo, de suivre
de lire autant pour moi le livre qui a pour titre Le taureau du millionnaire, en fait. Parce que dans ce livre, DJ DeMarco clairement montre les trois voies qu'il faut emprunter dans la vie, en fait. Et malheureusement, nous, les Africains, on emploie toujours que la seule voie, c'est-à-dire la voie la plus traditionnelle, qui est celle de l'école, en oubliant qu'il y a d'autres voies qui amènent vers le succès, en fait, et vers la réalisation de soi. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit au préalable, je suis venu te parler du fait qu'il y a trop de diplômés, mais sans fonction. Conscient du fait qu'il y a trop de diplômés sans fonction, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'entreprendre. Et d'entreprendre, pourquoi est-ce qu'il est important d'entreprendre? Parce que c'est au fur et à mesure qu'on va entreprendre qu'on va clairement comprendre quelle est notre place au sein de la société, en fait. Je ne dis pas qu'avoir un diplôme ne te donne pas une place dans la société, mais tu peux commencer en travaillant pour quelqu'un, mais toujours en gardant à l'esprit du fait qu'il faut que toi-même tu puisses ouvrir ton propre business. Le truc, c'est que je sais une chose, c'est que tout le monde ne peut pas finir entrepreneur, mais tout le monde peut avoir un bien et un service qu'il peut donner en fonction de son expérience dans la vie, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je suggère, c'est quoi? C'est-à-dire, plus que depuis un moment, il y a beaucoup de diplômés, mais il y a très peu de fonctions. Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les options qui nous restent, en fait? Quelles sont les voies qui nous restent, en fait, pour entreprendre, pour que lorsque tu es diplômé, tu ne puisses pas te dire du genre que, ben, écoute, la fonction publique n'a pas jugé utile de m'embaucher. Donc, du coup, ce qui me reste à faire, c'est de rester au quartier et à siffler les petites filles et à consommer des drogues, en fait. Il faut clairement comprendre une chose, c'est que si tu vois clairement que la fonction publique ne t'embauche pas, c'est pas grave, man. Ne sois pas un diplômé frustré. Ne sois pas un diplômé qui regrette le fait de vouloir d'avoir eu ces diplômes et puis de réaliser que finalement tu regrettes le fait que tu n'as pas pu avoir le travail de tes rêves. C'est ce qui arrive. C'est quelque chose qu'on appelle la vie, en fait. Et la vie ne donne pas toujours ce que on veut. C'est toi d'aller chercher ce que tu veux et de le posséder, en fait. Donc, le projet est très simple. Malheureusement, depuis un moment, je réalise que souvent, quand les gens me contactent parfois par inbox, c'est de me poser la question de savoir, Warren, comment on fait pour arriver là-bas, quelles sont les démarches et tout, et est-ce que tu peux me suggérer une école pour venir et tout, parce que j'ai envie aussi de venir me chercher là-bas. Le truc, c'est que ce que je dis toujours aux gens, c'est ceci. Si tu as un peu d'argent pour vouloir entreprendre un voyage, c'est-à-dire sortir du pays, moi, ce que je te suggère, c'est ceci. Sortir n'est pas toujours la solution. C'est vrai que ça va faire cliché quand je dis ça, peut-être parce que moi-même aussi, je suis à l'étranger, mais le constat fait, c'est que malheureusement, on réalise toujours les opportunités qu'il y a chez soi lorsqu'on est parti, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est parti pour voir les opportunités qu'il y a chez nous, en fait, c'est que clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et moi, de par ma petite expérience, j'ai pu clairement essayer de déceler ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est quoi? C'est-à-dire que, conscient du fait que tout le monde veut partir, mais est-ce que partir, c'est la solution? C'est parce qu'il a fallu peut-être que je sois ici pour comprendre que partir n'est pas la solution. Parce que, à toutes les personnes forcément qui estiment que sortir du pays, c'est la seule solution actuellement par rapport à ce qui se passe, moi, je suis venu vous dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, je vais parler d'un cas, parce que moi, je vais parler du Gabon, parce que c'est le territoire que je maîtrise le mieux. Je vais parler du Gabon parce que, vous savez, les étrangers voient des opportunités dans notre pays, mais que nous-mêmes, les Gabonais, on ne voit pas, en fait. Et quand je parle d'opportunité, je parle d'opportunité entrepreneuriale, en fait. C'est-à-dire, regardez un peu, faites un peu le constat. Vous allez voir un étranger qui vient avec des conditions un peu bizarres, parfois clandestines, de façon clandestine ou clandestine, peu importe, je ne parle pas le français. Bref, mais j'essaye. Voilà. Le truc, c'est que ces personnes-là viennent dans des conditions parfois douteuses.
Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques temps, ces personnes-là finissent par réussir de façon finance, de façon très exponentielle dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment est-ce que ces personnes-là arrivent à s'en sortir, en fait. Comment est-ce que ces personnes arrivent à s'en sortir? Quel est leur secret, en fait? Comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Le véritable problème, c'est que lorsque des personnes qui ne sont pas de notre pays, mais qui, lorsqu'ils... Simplement quoi? C'est que lorsque les gens arrivent, ils viennent avec un rêve. Quand tu immigres dans un pays, tu immigres avec un rêve, en fait. Et lorsque tu immigres dans un pays avec un rêve, tu as la capacité de faire en sorte que le travail que tu n'arrivais pas à faire chez toi, parce que soi-disant tu étais dans ton pays et que tu estimais par exemple que non, moi je ne peux pas faire ça, ça ne me correspond pas. Lorsque tu arrives dans un autre pays, tu es capable de faire ce genre de travail. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ça c'est là je parle de quand j'étais au Gabon, il y a beaucoup de personnes, ils arrivent à faire des genres de travail un peu que nous, les nationaux, on trouvait ça bizarre, mais c'est là où il y avait l'argent en fait. Mais nous, comme on néglige ça parce qu'on était les nationaux, on se disait non, moi je ne peux pas faire ce genre de travail. Mais maintenant, avec beaucoup de recul, je réalise une chose, c'est que la chose que tu négliges, que toi tu te dis que tu ne peux pas faire, mais c'est là où il y a souvent plus d'argent en fait à se faire. Mais le véritable problème, c'est que nous, on ne voit pas ces opportunités-là parce que nous, on est occupé à vouloir prendre des postes là où il y a le bureau, en fait. Non, on parle du principe que non, mais écoute, moi j'ai fait des études, moi je dois avoir un travail au bureau, en fait. Mais le véritable problème, c'est qu'on ne voit même pas que le travail du bureau, là, ça ne donne même pas l'argent. Ça ne te donne qu'un certain salaire, en fait, qui est bien, bien calculé pour la fin du mois, en fait. Mais alors que quand tu commences à entreprendre, ce qui se passe, c'est qu'en entreprenant, ça te donne beaucoup de visibilité, en fait. Ça t'ouvre les yeux sur les possibilités qui peuvent te générer plus d'argent, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je disais, conscient du s'il y a beaucoup de diplômés, au lieu de passer ton temps à être frustré, prends ce temps-là à réfléchir, à voir comment est-ce que tu peux lancer un business. Moi, ce que je préfère actuellement, c'est que lorsque quelqu'un me contacte inbox, je préfère que la personne qui me contacte, par exemple, parce que la personne veut que je l'aide à faire des démarches pour venir se chercher à l'étranger. Moi, ce que je propose, c'est que mieux contacte-moi pour lancer ton propre business au pays. Ne me contacte pas parce que tu veux peut-être avoir une information par rapport à une démarche administrative pour vouloir te chercher à l'étranger. C'est pas forcément ça la solution. Parce qu'il faut clairement comprendre, c'est que venir se chercher à l'étranger, ça demande beaucoup d'argent, ça demande une force mentale et ça demande beaucoup de capacité à résister par rapport aux difficultés que tu vas traverser. Mais si tu n'es pas prêt à ça, tu vas te cogner la tête. Et quand tu vas te cogner la tête, ce sera dommage en fait. Donc c'est la raison pour laquelle moi, ce que j'incite aux gens à entreprendre. Parce que lorsque tu entreprends, tu deviens plus libre. Lorsque tu entreprends, tu contrôles mieux ton économie, en fait. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous, les Africains, on nous a toujours habitués à ce que ce sont les politiques qui vont nous aider à trouver une solution à nos problèmes. Ce sont les politiques qui vont nous aider à changer de vie, en fait. Mais alors que la politique n'a jamais, au grand jamais, amélioré la vie de quelqu'un, en fait. Peu importe les réalités. Dans les pays dans lesquels les gens peuvent se trouver, les réalités politiques sont toujours là. Ce sont les populations elles-mêmes qui arrivent à trouver leurs solutions. Et moi, dans le projet Guerrier Mental, ce que je fais et ce que je propose, c'est de lancer les gens dans l'entrepreneuriat avec des petits budgets. Je propose des solutions claires et nettes avec des gens. Et ce qui est intéressant avec le projet Guerrier Mental, c'est que je ne propose pas ce que je ne vis pas, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre clairement le fait que lorsque je propose quelque chose, c'est parce que moi-même, je le vis à la base. Je ne peux pas vous parler d'entrepreneuriat si moi-même, d'abord, je ne suis pas entrepreneur. Ça n'aura aucun sens. Je ne peux pas vous parler de lancer un business si moi-même, d'abord, je ne lance pas de business. Donc, c'est la raison pour laquelle je tiens à dire ceci. Si tu es un diplômé sans fonction, le projet guerrier mental
tu devrais te l'approprier. Parce que il faut clairement comprendre une chose, c'est que il faut que nous, les Gabonais, on arrête d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Mais il faut clairement qu'on se dise que moi, avec le diplôme que j'ai eu là, comment est-ce que je peux arriver à adapter ça dans un domaine entrepreneurial et commencer à faire moi-même mon propre argent, en fait? Par rapport à la connaissance que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire pour adapter ça pour que je ne sois plus forcément esclave de l'actualité politique pour voir si je dois commencer à préparer mon dossier pour le faire entrer à la fonction publique. Mais pourquoi pas commencer à être un partenaire social de l'État? Avec ma connaissance là, qu'est-ce que je peux faire pour commencer clairement à me dire aujourd'hui que voilà le business que je peux lancer et voilà le nombre de clients que je peux avoir. Mais surtout, comprenez une chose, c'est que ce sera difficile d'entreprendre si tu n'es pas bien encadré. Ce sera difficile de avoir une bonne gestion financière si tu ne côtoies pas des personnes qui vivent déjà ça, en fait. C'est la raison pour laquelle, de grâce, la prochaine fois que quelqu'un va me contacter, ne me contactez pas pour une démarche administrative pour t'aider à venir étudier aux États-Unis, parce que ce ne sera pas ça vraiment le plus important. Le plus important, c'est que contacte-moi si tu veux créer un business avec un petit budget. Contacte-moi si tu veux des idées de business. Contacte-moi si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu te demandes, par exemple, quels sont les livres que tu as envie de lire pour commencer à penser comme un entrepreneur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs et l'Afrique a besoin de personnes qui prennent des risques pour leur continent. Vous voyez, malheureusement, on est arrivé on est dans une génération là où on a toutes les possibilités pour réussir. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a peur d'échouer. On a toutes les possibilités de sortir de la pauvreté, mais on a peur d'essayer, en fait. Et conscient du fait qu'on a peur d'essayer, on ne prend jamais de risque, en fait. On se dit toujours que, ben écoute, si j'essaie et si ça se passe mal, je n'ai pas envie d'attraper la honte devant les gens, en fait. Alors que la plupart du temps, à force d'essayer, tu imposes la réussite à venir vers toi, en fait. À force d'essayer, tu imposes la réussite à se manifester en toi, en fait. Et c'est là où, malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent, en fait. On s'arrête au niveau là où on se dit que non, ce sera pas intéressant si j'échoue. Je n'ai pas envie d'être ridicule, en fait. Je n'ai pas envie de me dire du genre que non, mais j'aurais pu garder cet argent-là et faire autre chose avec ça. Mais alors que tu as toutes les possibilités pour toi de faire sortir ton destin. Tu as toutes les possibilités. Dans quelques temps, bientôt, on va fêter 2020. Tu es toujours en train de te dire du genre que non, Seigneur, cette année, je serai la tête. Mais quand tu commences l'année, puisque tu commences toujours l'année avec les mêmes personnes, avec les mêmes habitudes, mais à la fin de l'année, tu réalises toujours que tu as tous les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire qu'il y a le vieux du village qui t'attache, hein. Le vieux du village a assez déjà de problèmes comme ça avec son quotidien. Le véritable problème, c'est qu'il y a certaines techniques que tu dois changer. Il faut comprendre que si tu veux avoir des résultats, il faut clairement comprendre que pour avoir des résultats, il faut commencer clairement à te dire qu'il y a une certaine façon de se comporter. Il y a une certaine manière de agir, en fait, si tu veux avoir certains résultats. Et la chaîne guerrier mental a pour but clairement de te emmener et de faire sortir le potentiel qui sommeille en toi, de chasser la peur qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même ou encore la peur qui t'empêche de créer ton propre business. C'est ça le projet guerrier mental. Guerrier mental parce que c'est clair que au fond de toi, si tu es encore au niveau de peur, là où les gens se lancent tout le temps, c'est parce que justement, tu n'as pas encore fait sortir le guerrier qui sommeille en toi. Donc, ce que je tiens simplement à te dire, c'est que si tu veux commencer l'année avec des nouveaux résultats, si tu veux commencer l'année avec des nouveaux challenges que tu veux clairement avoir du résultat, contacte-moi et on va travailler ensemble. Je vais te partager mon expérience en qualité d'entrepreneur. Je vais te partager comment est-ce que, en étant curieux aux États-Unis, je commence à avoir des résultats.
en n'ayant pas la peur dans le ventre, je commence clairement à avoir des résultats. Et le truc, c'est que je n'ai pas envie d'avoir des résultats, on va dire ça comment, pharaoniques pour commencer à vouloir dire maintenant que c'est le moment de partager. Ce qui est intéressant avec moi, c'est que le peu que je peux gagner, je partage. Le peu que je peux gagner, je partage. Parce que je vois clairement que notre génération, c'est une génération qui est convaincue qu'elle est peut-être défavorisée ou peut-être qu'elle n'a pas les mêmes chances que les autres. Et moi, je veux démontrer que ce n'est pas vrai. Moi, je veux démontrer clairement qu'on a tous les mêmes opportunités que les autres. Mais le véritable problème, c'est que si tu penses que les autres sont plus intelligents que toi, c'est simplement à cause de ta programmation. C'est la programmation qu'on nous a donnée, en fait, depuis qu'on était en petit. Regardez, quand on était petit, on nous a donné à manger, on s'est occupé de nous, on nous a toujours enseigné de faire les choses d'une certaine façon, jusqu'à ce que lorsque, quand on devient adulte, par exemple, on reste toujours dans la logique de ce que les parents nous ont enseigné, en fait. Mais à partir du moment là où on commence à faire son propre travail de recherche personnelle, on finit par découvrir que, OK, ça c'est vrai, ce que maman m'a enseigné, ce que papa m'a enseigné, mais maintenant c'est aussi à mon tour de commencer déjà à aller au-delà de ce qu'on m'a enseigné. C'est la raison pour laquelle, je te prends par exemple un exemple simple. Il y a des gens, ils ne parlent jamais d'argent à leurs enfants. Ils n'enseignent pas leurs enfants sur l'éducation financière. Ce n'est pas des gens qui ne veulent pas enseigner leurs enfants sur l'éducation financière, c'est parce qu'ils n'ont pas connu cela. Mais toi, qui as l'ère d'Internet, là où l'information est pratiquement disponible à n'importe quel moment, et que toi, tu prends la peine juste simplement de te connecter sur les réseaux sociaux juste pour faire un petit congo ça en passant ou en regardant une petite vidéo comique, le temps là, tu peux prendre ce temps là pour commencer à te dire que comment est-ce que je peux m'enseigner, comment est-ce que je peux m'éduquer sur l'éducation financière, comment est-ce que je peux commencer à apprendre à gérer mon argent, comment est-ce que si aujourd'hui j'ai un emploi, comment est-ce que je peux quitter de simple salarié à entrepreneur avec le temps, comment est-ce que je peux commencer à avoir une petite épargne. Tout ça là, ça s'enseigne et tout ça là, ça s'apprend. Mais si tu veux être la meilleure version de toi-même, apprends simplement à être avec des personnes qui commencent à avoir certains résultats. L'entrepreneuriat est un voyage, en fait. Là où, dans ce train, il y a plusieurs vendeurs d'illusions, mais il y a aussi ceux qui font des résultats et ceux qui prennent le soin de t'apprendre comment est-ce qu'il faut entreprendre avec un petit budget. Et le stratège est là, justement, il fait partie de ces personnes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite à devenir entrepreneur. Si tu ne sais pas par où commencer, ce programme est le tien. Partage cette vidéo aux gens. Partage cette vidéo pour que plus jamais la jeunesse africaine ne souffre d'excuses parce que simplement elle est allée à l'école et qu'elle est rentrée et qu'après, elle n'a pas pu trouver de l'emploi. Voilà pourquoi elle continue à se plaindre dans les quartiers, à boire de l'alcool, alors qu'il y a tant de choses à faire. Comme je l'ai si bien dit au départ, il y a tellement d'opportunités chez nous, mais il n'y a que les étrangers qui voient les opportunités. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la programmation. Ça veut dire que si on a un problème au niveau de notre programmation mentale, c'est qu'on peut la changer. Et moi, avec toute l'humilité, j'ai pu déceler le problème et c'est la raison pour laquelle je prends la peine de vouloir encadrer ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je vous partage mon quotidien en qualité d'entrepreneur, jeune entrepreneur ici aux États-Unis, parce que je reste convaincu que l'entrepreneuriat et le business va rester le seul moyen par lequel on va clairement contrôler nos économies et qu'on va apprendre à être des partenaires sociaux de l'État. Il ne faut plus que c'est comme j'avais dit une fois à quelqu'un que c'est dommage que tu as fait des brillantes études à l'étranger et que quand tu rentres, tu vas encore postuler avec les mêmes frangins qui sont restés au pays et qui ont quand même eu leur diplôme malgré les conditions difficiles d'apprentissage, mais que toi, comme tu as eu un diplôme excellent aux États-Unis ou en France, tu vas encore postuler pour eux. Moi, ce que je souhaite, c'est que lorsque quelqu'un qui a eu la chance d'être à l'étranger décide de rentrer, pour apporter un plus à l'économie de notre pays,
faudrait que cette personne-là commence clairement à se dire que, OK, moi, quand je suis rentré au pays, je veux devenir un entrepreneur. Voilà mon plan, voilà ce que j'ai envie de proposer à l'État. Ce n'est pas la peine de venir là comment dire ça, et de venir là et de vilipender les mauvaises choses qui se passent dans notre pays. Ce n'est pas ça la solution. Le plus important, c'est de se dire que comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien? Comment est-ce que je peux parler de mon pays dans le bon côté en parlant des potentialités qu'il y a dans notre pays, en fait. C'est ça le plus important. Et je pense que ça, c'est la mission de chaque citoyen de commencer à se dire que comment est-ce qu'on peut commencer à aider les gens qui sont restés au pays, en fait. Et comme un grand homme que je regarde a son habitude de dire, c'est que c'est quand tu as à manger et à boire que tu commences à devenir philosophe. Le truc, c'est que c'est pas juste rester là à jouer les stars sur les réseaux sociaux en postant de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, là où on voit que tu as acheté un nouveau costume ou encore tu as acheté une nouvelle chaussure. Mais quand on te dit, par exemple, couche-toi au pays, il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger et que toi, tu banalises cela, c'est que c'est grave, en fait. Et que, par exemple, il y a quelqu'un qui tombe malade et que tu n'as pas de la possibilité d'envoyer un peu d'argent pour qu'on achète à cette personne les médicaments, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pour que ces choses n'arrivent plus, il faut clairement comprendre qu'il faut apprendre à entreprendre. C'est pas le salaire, j'y arrive, qui va te permettre d'atteindre ton indépendance financière, mais c'est la multiplication de tes revenus qui va faire en sorte que tu atteignes l'indépendance financière. Et je finirai avec cette pensée de Ricardo Kanyama, quelqu'un que je supporte très, très fort et qui est notre Robert Kiyosaki africain, qui a dit ceci. C'est que l'avenir financier d'un homme ne dépend pas de la grandeur ou de la petitesse de ce qu'il gagne, mais tout réside de la manière dont il gère ses revenus, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir des petits revenus, que ton revenu t'aide à bâtir ton rêve, ne cherche pas des excuses pour te dire que si je ne peux pas entreprendre, si je ne peux pas avoir une petite cachette quelque part pour entreprendre, c'est parce que j'ai trop de problèmes. Les problèmes ne vont jamais finir. Mais le plus important, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que tu as une responsabilité. C'est que imagine-toi, par exemple, si tu as commencé à avoir des enfants, ou bien tu t'apprêtes à avoir des enfants, et que demain, après-demain, tes enfants connaissent les mêmes réalités de pauvreté pour toi, comme a dit Bill Gates. Si tes parents t'ont fait naître dans la pauvreté, c'est pas de ta faute en fait. Mais si tu meurs pauvre, ça ce sera de ta faute en fait. Donc, pour sortir de la pauvreté, il faut clairement comprendre qu'il y a des techniques et il y a des enseignements pour sortir de la pauvreté. Et c'est comme j'ai tout l'habitude de le dire, c'est que nous les Africains, on doit clairement combattre la pauvreté, la même manière dont tu combats le fait que tu n'as pas envie d'avoir le sida là. C'est-à-dire les précautions que tu prends là pour ne pas avoir le sida, c'est les mêmes précautions que tu dois prendre pour aussi sortir de la pauvreté. Les mêmes précautions que tu prends pour ne pas avoir l'Ebola là, c'est-à-dire c'est les mêmes précautions aussi que tu dois prendre pour sortir de la pauvreté. Parce que on est en train de dire par exemple aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de jeunes filles qui sortent avec des personnes qui ont de l'argent, mais on ne veut pas voir le problème à la base. Le problème à la base, c'est quoi? C'est la pauvreté. On est en train de vouloir accuser X ou Y. Les torts sont partagés, mais le problème, c'est la pauvreté. Parce que nous, les Africains, on souffre de pauvreté endogène, en fait. Le problème, c'est que c'est la pauvreté qui fait en sorte que la jeune fille part se prostituer parce qu'elle n'a pas de quoi se nourrir. Mais ce que moi, je propose, c'est que il faut qu'on enseigne à la jeune fille à se prendre en charge. Il faut qu'on apprenne la jeune fille à se dire aujourd'hui que si tu as 10 000, comment est-ce que tu peux multiplier le 10 000 que tu as? C'est pas simplement d'aller acheter un sac ou une nouvelle chaussure pour montrer à tes copines que tu as une nouvelle chaussure. C'est comment est-ce que tu peux multiplier le 10 000 là aujourd'hui? Ce que moi je propose aujourd'hui, c'est que si tu as 5 000, toi qui es un jeune homme qui a 5 000, au lieu de programmer, au lieu de diviser les 5 000 là, c'est-à-dire tu divises ça par 2 500, 2 500, tu prends les premiers 2 500, tu finis de bousiller ça, et les prochains 2 500, c'est pour aller le samedi soir prendre un verre avec tes amis. Mais comment est-ce que tu peux multiplier les 5 000 que tu as aujourd'hui, en fait?
C'est ce que moi je propose dans le projet Guerrier Mental. Parce qu'il faut clairement que nous, les Africains, on se réveille. Regardez un peu dans l'économie mondiale, nous, les Africains, on ne produit pas, on ne produit, on est pratiquement absent dans l'économie mondiale. Pourquoi? Mais alors qu'on a du potentiel, on a des intelligences. Mais le véritable problème, c'est que, à un moment donné, l'intelligentsia africaine n'est concentrée que sur l'emploi, en fait. Et il faut clairement initier les PME. Il faut clairement comprendre qu'il y a des gens qui ont du potentiel, mais ils cherchent juste des personnes pour leur canaliser. Et c'est la raison pour laquelle, si toi, tu es dans cette position-là, contacte-moi et on va discuter. Et on va en parler pour qu'on crée une Afrique plus prospère. Il faut plus qu'on crée simplement une génération là où les gens, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on est toujours en train de parler de guerre, on est toujours en train de parler de misère, on est toujours en train de parler de famine. Moi, je ne veux pas ça pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que l'Afrique a du potentiel. Mais le plus important, il y a deux problèmes qui tuent l'Afrique. C'est la programmation qu'on a reçue quand on était petit. On nous a enseigné à aimer la pauvreté parce que c'était normal. Et ça, j'ai envie de dire ça comment? J'ai envie de dire que c'est ce qu'on a reçu depuis la base. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on nous a parlé de l'évangile chez nous en Afrique, l'évangile qu'on a reçu, c'était une évangile de pauvreté. C'est-à-dire, on nous a enseigné le fait que non, il faut, à quoi ça sert de gagner ce monde si tu dois perdre ton âme? Donc, du coup, on s'est approprié le fait que non, mais c'est normal d'être pauvre. Mes parents sont nés pauvres. Moi aussi, je vais finir pauvre. Donc, à quoi ça sert? Puisqu'en tout cas, je sais que de toute façon, je ne suis pas de ce monde. Donc, du coup, c'est normal pour moi la pauvreté. Je n'ai pas à trop me soucier des biens de ce monde parce que je vais mourir demain. Donc, du coup, je n'ai pas à me faire. En fait, c'est normal d'être pauvre. Mais le truc, c'est que je vais vous dire une chose. C'est triste de penser ainsi parce que même dans tes aspirations religieuses, si tu n'as pas la possibilité de te prendre en charge ou de prendre en charge tes parents, j'ai envie de dire ça comment? C'est vraiment rater sa vie en fait. Parce que lorsque tu peux te prendre en charge et que tu peux prendre en charge ta progéniture, c'est la plus belle façon de montrer clairement que tu as vaincu la pauvreté dans ta famille, en fait. Le véritable problème, c'est que on a un problème dans nos familles, c'est qu'on nous a enseigné à aimer la pauvreté. Il n'y a qu'à voir. Je me souviens, je parlais beaucoup d'argent il n'y a pas longtemps avec ma mère. Et du coup, elle me dit, non, mais papa, fais attention, tu parles déjà un peu trop d'argent, c'est comment? J'espère que tu ne vas pas retenir les choses bizarres. Tu vois, vous savez, quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a clairement compris, ça m'a clairement fait comprendre combien de fois nous, les Africains, on est en retard en termes d'argent, en fait. C'est normal pour nous. C'est-à-dire, si ma mère m'avait appelé et qu'elle m'avait, par exemple, dit du genre, oh non, comment ça va? Et que je lui disais, maman, je souffre actuellement là, je n'ai même pas de quoi manger. Ça aurait été normal, en fait, que ma mère me dise, oh oui, mais papa, ça va aller, il faut tenir. Mais quand je parle à ma mère du fait que maman, moi, je cherche à devenir riche, la première chose qu'elle me dit, c'est que papa, fais attention, papa, faut pas entendre les choses bizarres. Parce que quoi? On nous a enseigné le fait que la pauvreté, c'est normal, en fait. C'est normal d'être pauvre. C'est normal du fait que quand on est pauvre, c'est bien pour tout le monde, en fait. Mais lorsque quelqu'un commence à parler de richesse, ça fait du genre comme si du genre, lui là, il parle un peu trop de richesse, c'est comment, quoi, il veut déjà toucher les choses bizarres. Parce que quoi, chez nous en Afrique, la pauvreté est liée soit aux sciences occultes, soit aux pratiques bizarres que je n'ai pas forcément envie de citer ici. Mais alors que là, il y a des gens, il y a des techniques de richesse, en fait. Il y a des liens plongés dans la politique ou encore sans pourtant plongés dans des sciences bizarres. Mais comme nous, les Africains, on nous a appris à aimer la pauvreté, c'est normal en fait. C'est normal d'aimer la pauvreté parce que la pauvreté, c'est normal chez nous en Afrique. Mais alors que, comme je le disais au préalable, il faut fuir la pauvreté. La pauvreté est une gangrène qui nous tue. Elle nous tue à petit feu. Aujourd'hui, comme je le disais au préalable, on est en train de dire les petites filles sont en train de sortir avec des grandes personnes, mais c'est parce que le problème à la base, c'est la pauvreté.
Si on enseigne aux gens comment est-ce que les gens peuvent gérer leur argent, comment est-ce que les gens peuvent apprendre à gérer leur petit budget, les gens, c'est-à-dire plus que les gens pourront se prendre en charge, les gens pourront clairement lutter contre la pauvreté. Et les gens ne pourront plus avoir des fréquentations bizarres. Et il y aura moins de diplômés sans fonction, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que s'il y a beaucoup de diplômés sans fonction, c'est parce que on nous a enseigné une seule voie, c'est-à-dire la voie académique. On ne nous a pas enseigné la voie entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un diplômé sort d'une école, s'il ne trouve pas un emploi dans les mois qui suivent, s'il n'est pas bien encadré, il va finir dans les pratiques bizarres ou encore il va finir au quartier en train de fumer, en train de siffler les petites filles. Et c'est comme ça qu'il va tuer son talent, en fait. Mais alors que si on enseigne à un diplômé aujourd'hui que le monde qui t'attend, le monde de l'emploi qui t'attend dehors là, quand tu auras ton diplôme, on pourra te prendre comme on ne pourra pas te prendre. Mais si on ne te prend pas dans une société, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu peux faire. On aura moins de frustration dans nos pays, en fait. On aura moins de jeunes intellectuels qui vont se ruer dans la politique pour penser que c'est la politique qui va sauver le continent, en fait. Je n'ai rien contre les politiciens, mais je suis simplement en train de dire ceci, que tout le monde peut s'en sortir. Mais c'est juste que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de clairement comprendre qu'il faut qu'on nous enseigne sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va être le seul moyen par lequel les Africains pourront s'en sortir. Et c'est comme j'ai tout l'habitude de dire, c'est que ton salaire, si tu as la chance d'être entrepreneur, si tu as la chance d'être salarié aujourd'hui, que ton salaire t'aide à bâtir ton rêve. Que ton salaire ne te serve pas seulement à payer tes factures. Si tu as de la famille au pays, si tu veux investir et que tu as un projet, mais tu ne sais pas par où commencer, Warren le stratège est là pour t'encadrer. Parce que je vais te partager mon expérience en qualité d'entrepreneur. Je ne vais pas te parler de l'exemple de quelqu'un d'autre. Je vais te parler de réalité, comment je vis à travers mon entreprise moi-même. Je vais te montrer, s'il faut même, je vais te montrer mes chiffres pour que tu comprennes clairement que c'est bien beau d'écouter les gens, mais c'est mieux d'écouter quelqu'un qui, c'est-à-dire, si tu veux atteindre un certain résultat, écoute et sur les résultats de quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Je ne veux pas te parler d'entrepreneuriat, d'une vie de l'esprit en fait, mais je vais te parler des réalités que je vis tous les jours dans le monde de l'entrepreneuriat et les difficultés que je traverse pour que tu comprennes clairement que si je veux te partager mon expérience, je veux te partager mon expérience en qualité de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Notre pays actuellement a besoin d'entrepreneurs. Ça me fait vraiment de la peine quand j'entends quelqu'un me contacter et me dire du genre que non, ou Rennes, est-ce que tu peux m'aider dans les démarches administratives? J'ai envie de sortir du pays. La première question que je pose, tu veux de savoir, c'est que tu as combien? Quand la personne me donne le prix qu'il a, je dis, mais pourquoi tu ne peux pas ouvrir ton business avec ça? Pourquoi tu veux venir te chercher à l'étranger alors que c'est déjà assez dur? Vous savez, je vais peut-être finir par ça en disant ceci. Beaucoup de personnes dans la diaspora ont compris une chose, c'est que chez nous, hein, il y a tellement du potentiel. Mais c'est dommage qu'on a compris ça quand on était dehors. Peut-être aussi c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme ça, parce que ça aussi c'est une réalité. On ne prend conscience que de nos choses que lorsqu'on est parti en fait. Mais conscient du fait qu'on a réalisé ça quand on est parti, moi actuellement, je ne prône pas le fait qu'il faut sortir forcément du pays parce que moi-même qui suis en train de vous parler, j'envisage de rentrer au pays. Donc, le truc, c'est que pourquoi est-ce que je vais faire la campagne de sortir au pays alors qu'il y a du potentiel chez nous, mais qu'on n'exploite même pas? Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que je vais faire une promotion du fait que oui, il faut sortir au pays, il n'y a rien? Non, il y a beaucoup de choses au pays à faire. Il y a tellement de domaines à entreprendre au pays. Mais le véritable problème, c'est que j'ai envie de dire ça commence. Le véritable problème, c'est que on est tellement obnubilé par l'actualité politique qu'on ne regarde plus les opportunités économiques. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, les gens sont obnubilés par la politique à tel point qu'on ne regarde. Et c'est comme j'ai tout l'habitude de dire, c'est que si tout le monde parle de la politique, qui contrôle notre économie? Qui contrôle les petites et moyennes entreprises? Regardez, je vais vous prendre un exemple simple. La maman du quartier qui met sa petite sabot Carrefour là,
qui fait chaque matin les gâteaux là, du 1er janvier au 31 décembre, pouvez-vous vous imaginer combien est-ce qu'elle peut avoir à la fin de l'année? C'est-à-dire, quand tout le monde se lève là dans le quartier, tout le monde se lève au quartier le matin et que c'est chez elle que tout le monde va acheter les gâteaux et l'haricot, parce que ça, c'est le plat de résistance de chez nous, en tout cas, chez moi, là, à Dakar. Bref, c'est ça notre plat de résistance. Donc, du coup, imaginez-vous un temps soit peu, la maman qui a sa petite table au quartier, là, elle fait son argent du 1er janvier au 31 décembre. Tu penses que quelqu'un comme ça, elle a le temps d'aller voir quelqu'un pour lui dire, genre, que non, moi, faut me prendre dans ton entreprise, moi, j'ai un diplôme. Elle n'a pas le temps. C'est parce que quoi? C'est parce que nous, on doit clairement comprendre une chose, c'est que il faut qu'on développe ce côté entrepreneurial qu'on n'a pas. Oui, on n'a pas le côté entrepreneurial, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas entreprendre? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait dit la dernière fois, nous, on ne nous a pas enseigné l'entrepreneuriat, mais il faut apprendre. Si on nous a pas enseigné l'entrepreneuriat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entreprendre. C'est une excuse tellement. Je n'ai pas envie de dire stupide, mais c'est une excuse qui ne tient pas la route. Quand on ne t'a pas donné les rudiments de quelque chose, ça s'apprend. L'entrepreneuriat s'apprend. Et moi, j'ai appris ça et je continue d'apprendre ça tous les jours. C'est la raison pour laquelle ce que j'apprends, j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est en partageant cela avec vous qu'on va créer une génération plus forte. On va créer une génération plus stable et on va créer une génération plus dynamique. Le pays a besoin d'entrepreneurs. Que notre économie ne se laisse plus simplement diriger par les étrangers, mais que nous aussi, à un moment donné, on puisse clairement comprendre que nous aussi, on a du potentiel. Nous aussi, on peut être des taximans. Nous aussi, on peut avoir des restaurants. Nous aussi, on peut avoir des petites tables au quartier là où on vend les gâteaux. Il y a des frangines qui ont du potentiel dans le fait de faire des gâteaux. Pourquoi vous ne vous levez pas pour commencer à faire ces petits genres d'activités? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as 15 000? Je prends un exemple simple. Tu as 15 000 en début de semaine. Tu as 15 000, mais le truc, c'est que les 15 000 là, dimanche, c'est déjà fini. Pourquoi est-ce qu'avec les 15 000 que tu as là, pourquoi est-ce qu'avec les 15 000 là, avec les 15 000 que tu as là, tu ne peux pas multiplier tes 15 000 là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple simple avec les filles. Aujourd'hui, tu as 30 000. La première pensée que tu as, c'est de chercher à ouvrir, c'est d'aller acheter un gros sac qui coûte cher avec une chaussure Louboutin, mais alors que demain, après-demain, tu vas encore te trouver en train de quémander les mêmes 30 000 que tu avais là. Pourquoi ne pas chercher à multiplier les 30 000 là à travers une petite activité commerciale? Il y a tellement de domaines dans lesquels il faut investir. Merci, Josh. Il faut t'abonner, mon frère. Et surtout, partage la vidéo, please. Partage la vidéo, frangin. Ou frangine, je ne sais pas trop. Je vois, c'est écrit Josh, mais bon, je ne sais pas si c'est un homme ou bien c'est une femme. Mais bref, voilà. C'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir grand. Ton succès dépend de la façon dont tu penses. Ton succès dépend des personnes que tu suis au quotidien. Ton succès dépend du genre de personnes que tu suis au quotidien. Vous savez, dans la toile actuellement, il y a trois formes d'Africains, en fait. Il y a trois formes d'Africains. Il y a les Africains qui passent leur temps à parler de politique à longueur de journée, toujours à dire du genre, voilà ce qui ne va pas dans notre pays, voilà. Il y a aussi il y a un genre d'Africains, eux, leur travail, c'est de faire les vidéos de comédie, c'est-à-dire, eux, ils passent le temps à rire, rire, rire sur la toile, presque tout le temps, en fait. On passe du temps toujours à rire. Et la troisième catégorie d'Africains, ce sont les Africains qui motivent les gens à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Mais ces Africains-là ne sont pas nombreux. Malheureusement, ces Africains-là ne sont pas nombreux, ou encore, ces Africains-là ne sont pas assez suivis. Salut, salut, Monifa. Et le truc, c'est que la troisième catégorie d'Africains qui motive les gens à s'en sortir, qui motive les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, ne sont pas assez suivis. Ce qui fait que la distraction prend
rentre dans les mœurs des Africains, en fait. Et comme la distraction rentre dans les mœurs des Africains, du coup, les Africains sont absents dans le monde entrepreneurial. Les Africains sont absents parce que quoi? Les gens qui ont plus d'influence ou encore les gens qui ont plus d'audience passent du temps à ne pas enseigner aux gens ce qu'ils devraient savoir. Et c'est vraiment dommage. C'est la raison pour laquelle toi qui as la chance d'écouter cette vidéo et toi qui vas partager cette vidéo pour l'année 2020, si tu veux avoir un résultat conséquent, commence à te dire dès aujourd'hui, commence à te poser la question de savoir, OK, ça fait un moment donné que je parle beaucoup de ce que j'ai envie d'entreprendre, mais depuis là, je suis toujours en train de retarder. Ce n'est pas le vieux du village qui te retarde, hein. C'est toi-même qui es en train de te retarder toi-même tous les jours, avec les programmes que tu suis tous les jours. C'est toi-même qui es en train de te retarder. Et au fait, Monifa, je suis ravi que tu as acheté la chèvre de ma mère. Hein. J'ai vu ça la dernière fois. Félicitations, Frangine. Tu es en marche. Donc, c'est très important que nous, les Africains, on puisse prendre conscience du fait qu'il faut qu'on produise. Il faut qu'on produise. On ne peut pas se limiter toujours à être des simples consommateurs. Il faut qu'on produise. Et la meilleure façon de produire, c'est de commencer à se dire que, avec le petit budget que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire avec? Aujourd'hui, si j'ai la chance d'avoir 100 000 francs dans les mains, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pas simplement de te dire aujourd'hui que, oh non, mais écoute, la situation politique actuellement ne me permet pas. Non, laisse ça. Ça, c'est une vieille excuse, ça, laisse ça. Là, peu importe les réalités politiques d'un pays, les gens ont toujours des besoins. Donc, ne me dis pas du genre que non, la situation politique aujourd'hui ne t'empêche d'entreprendre. Laisse l'excuse là. Laisse-moi cette excuse-là. Laisse-moi cette excuse-là. Ne me dis pas du genre que si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre et que non, la situation politique m'empêche d'entreprendre. Non, c'est pas ça. Laisse-moi cette excuse-là. C'est pas ça là. C'est pas ça le plus important. Si, vois comment est-ce que tu peux commencer à entreprendre et après tu vas voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. C'est ça dont moi je veux que tu me parles. Parle-moi de business, mais ne me parle pas de ce que tu ne peux pas faire. Parle-moi de ce que tu peux faire. Parle-moi du potentiel qui est au plus profond de toi. Et si tu veux qu'on travaille, on va travailler ensemble. C'est ça que je veux que tu me parles. Ne me parle pas des excuses. Ce n'est pas ça le plus important. Alors, écoutez, je vais terminer par là parce que moi, je dois filer et on commence déjà à m'appeler. Donc, du coup, c'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental, afin de vous motiver à devenir des entrepreneurs parce que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs et l'Afrique a besoin d'une économie qui se lève et qui devienne concurrentielle à l'échelle de d'autres économies à travers le monde. Faut pas que nous, les Africains, on part toujours simplement consommer sur les autres, mais que nous, les Africains, on commence à se dire que, OK, qu'est-ce que nous aussi on peut faire? Donc, si tu es dans cette position-là où, disons, tu veux entreprendre, mais que tu ne sais pas par où commencer, abonne-toi à la chaîne Guerrier Mental et surtout suis-moi sur YouTube. Mais surtout, contacte-moi inbox et on va travailler ensemble sur ton business. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je fais avec toi, c'est que si tu me contactes et qu'on commence à travailler ensemble, on va commencer ton travail, on va commencer ton projet de sa réalisation jusqu'à sa concrétisation. Et je vais te pousser à ce que tu puisses atteindre des résultats. Ce sera ça mon travail. Mon travail, c'est que tu puisses atteindre des résultats conséquents. Je ne vais pas juste te fatiguer, mais je vais te pousser à ce que tu puisses avoir des résultats dans les plus brefs délais, comme disait quelqu'un chez nous. Alors, donc, restez motivés, restez entrepreneurs et surtout devenez entrepreneurs parce que le continent en a besoin, le pays en a besoin. On a besoin des gens qui entreprennent. On n'a pas besoin des gens qui trouvent des excuses. On n'a pas besoin des gens qui viennent faire des conférences à travers on va dire ça comment? Les gens qui font des conférences dans des salles climatisées avec des gros costumes, alors que le vrai travail, c'est sur le terrain. On a besoin des entrepreneurs qui retroussent les manches et qui poussent l'Afrique à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, c'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. On se dit à plus.